Celui-là était du genre coriace, titanesque, mais on a fini par l'avoir. Car notre force, c'est le travail d'équipe. Ils ont pourchassé les dragons dans tous les coins du monde. À la plus belle association de chasseurs qui existe, j'ai nommé Guizdo et Lianchu. Ah. Oui, enfin, s'ils pouvaient en vivre de la chasse, ce serait encore mieux. En fait, et Hector, pourquoi il compte pas? Hector? Oh, Zaza, faut pas me faire rire comme ça quand j'ai la bouche pleine, hein. Guizdo? Y a pas à dire. Rire un bon coup, ça creuse. Ah, Grabou, gros frère! Hector, tu te crois où chez les sauvages? Une tape toute neuve en plus. Ouais, tu sais, je dis pas ça pour critiquer. Mais ta hache, elle est pas super tranchante. Montre-moi ta lame pour que je puisse y voir la profondeur de ton âme. Ah, et puis tiens, Hector, tant que t'y es, frotte-moi tout ça au savon. C'est important de laver ses liquettes au moins une fois par an. Je tiens à bien présenter devant le client. Guizdo, comment dire? Tu es tout nu. Et alors? Pas tout tout. J'ai une ligne impeccable, moi. Attends un peu, c'est pour moi que tu dis ça? Non, pas du tout. Mal poli. Après le rocher du Sambon, c'est 40 blocs à l'ouest. Je parie qu'on fait l'aller-retour dans la journée. Dis donc, Guizdo, tu ne vois pas qu'il manque quelque chose? Bon sang, mais c'est bien sûr! Mazette, heureusement que t'es là, Lianchu! Ça perd l'eau. J'allais partir chasser le dragon sans ma plume. T'imagines? Manquerait plus que je me mette à faire des contrats sur parole maintenant. Ah vraiment, n'importe quoi. Bon, allez Hector, on met les gaz. Ben, justement, Guizdo, Hector, il n'est pas là. Hector? Oh, mais il est passé où, l'animal? J'avais dit qu'on partait à 7h, tapante. Et la ponctualité, hein, c'est pour les chiens. Dis, Hector! Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? Tu roupilles encore? Tiens, tiens. Bizarre. Hein? Oh, et en plus, il laisse traîner ses affaires partout. Qu'est-ce que tu fais? T'as trouvé sa planque? Hector nous a laissé un message. Viens voir ce que c'est. Je crois que c'est un tout petit peu trop haut pour moi. Et si tu me le lisais, hein? Tu sais bien que je ne sais pas lire. Gougroum, gris, jim, gradiaf, groudoup, groupe, grignard, gnar, gnarf. Ça veut dire quoi, ça? C'est décidé, je retourne d'où je viens. Oh. Hector est parti, Guizdo. Il est retourné à la vie sauvage, comme tous les vrais dragons. Ah, le sale petit ingrat, nous lâcher un jour de contrat. Non, mais qu'est-ce qu'il croit qu'on croule sous les propositions? Il va voir quand il va revenir. Alors, Lianchu, t'as pas bientôt fini avec tout ton fourbi? Tu sais ce que ça veut dire, voyager léger? Est-ce que tu m'as vu trimballer quoi que ce soit, moi? Oh, ça perlouille, voilà ce qui arrive quand on s'entoure que d'amateurs.
Comment ça? Avec Hector, ça serait jamais arrivé. Quand si ce lâcheur avait vérifié l'état du Saint-Georges avant de partir jouer les trappeurs, on n'aurait pas décollé avec une hélice encrassée. Ça sera retenu sur sa paye. Tu l'as jamais payé, Guizdo. Et de toute façon, Hector ne reviendra pas. Oh, Lianchu, moi aussi je l'aimais bien, le petit Hector. C'était un bon larbin. Mais les sentiments, ça remplit pas les assiettes. Alors nous, les coudes, faut les garder serrés. Je sais que tu me comprends, hein. Alors maintenant, Lianchu, fais-moi le plaisir de nous sortir de là. Où vas-tu? Je vois bien que je te déconcentre. Aussi, je vais nous chercher un truc à grignoter au village. Patelin, si t'avais vu le prix des sandwichs, je suis sûr que t'aurais pas voulu que je t'en prenne un. Alors, je te ramène autre chose. Hector? Il est mignon, hein? Au prix où ils vendent le casse-dalle, je me suis dit qu'il pouvait bien nous filer un chien. Mais ce n'est pas Hector. Bravo! Au moins, t'as pas perdu ton sens de l'observation. C'est déjà ça. Il s'appelle Toutou. Regarde, il t'a déjà adopté. Arrêtez ton manège, Lianchu. Ça me donne le tournis. Sans vouloir te presser, si tu pouvais le terminer, qu'on se fasse payer et qu'on rentre à l'auberge.
forgé et lance de points de fuselée. Hey, Toutou, c'est bien de vouloir ménager le suspense, mais là, faut passer à la suite. T'es pas d'accord avec moi, Lianchu? Au fait, Lianchu, je vous disais, est-ce que t'as vraiment besoin de tout ce matériel pour un petit dragon de rien du tout? Attends, laisse-moi t'aider! T'en as vraiment besoin, hein, c'est ça? C'est pas possible, ça sent trop mauvais pour être le paradis. Mais alors, tu es là, Lianchu? 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 Mazette de Mazout, je suis tout seul en enfer. Ça y est, j'en suis sûr. Je suis en enfer. Oh, misère de misère. Mais je suis vivant. Je suis vivant. Oh, je me disais aussi, moi en enfer, ça tenait de l'erreur judiciaire, c'était pas possible. C'est cette flèche qui a tué le dragon. Nous ne sommes pas tout seuls. Quoi? Ah, tu veux dire qu'on a un sauveur? Un sauveur? Oh, mais qu'il se montre! Que je le prenne dans mes bras, que je l'embrasse! Oyez, oyez, sieur Guizdo! Laissez-moi le temps de descendre et je vous prendrai volontiers dans mes bras! Pour la bise, faudra que je demande à ma mère! Attends un peu, je connais cette voix! Oh non! N'importe qui, mais pas lui! Je veux bien être maltraité, humilié, écartelé, décapité et même qu'on me coupe la tête. Mais être sauvé par cette espèce de prince d'opérette qui, en plus, pourrit le marché en travaillant pour des prunes, c'est trop pour moi. Oh, voyons, chers amis, ce n'est rien. Vous savez, je n'ai fait que mon devoir, car il n'existe pas de plus noble cause que de défendre les plus faibles uniquement pour la beauté du geste. Lianchu, donne-moi une arme. Je crois que je vais faire une énorme bêtise. Viens, Guizdo, rentrons, tu veux. On n'a plus rien à faire ici. Ma crampe bouffe, quels amis. Dommage que je l'ai pas acheté ce Kleps, parce que j'aurais demandé à être remboursé. Je l'avais dit, Guizdo, un chien c'est nul. Enfin, je veux dire un vrai chien. Bon, c'est vrai, je reconnais que tout marche pas pile poil depuis que Toutou est arrivé. Mais... pas depuis que Toutou est arrivé, depuis qu'Hector est parti. D'accord, t'as gagné. De toute façon, tu sais que je peux rien te refuser. Allez, viens, on va le chercher. Il y a un petit problème, on ne sait pas où on est, ni où il est. Oh, j'y crois pas, cette saucisse ambulante vient de nous piquer le collier d'Hector. Au voleur, arrêtez-le. Attends, Guizdo, il a peut-être flairé la trace d'Hector. Ça a dû flairer un chien, non? Hey, Lianchu, c'est mon tour de dormir. Ça fait 3 heures que je conduis. On dirait qu'il est sur une piste. Ouh, bon sang, Hector! On arrive trop tard. Ça, c'est un fémur d'Erdatigus nervolubis. Vu l'aridité de la Terre, il doit dater d'au moins 15 cycles lunaires. Ah, ouf! J'ai bien cru que... Oh, je sais pas ce qui me retient. Il faut se faire une raison. Jamais on ne retrouvera Hector. Au secours! Sauve qui peut, au secours! Sauvez-vous si vous tenez à la vie! Au secours! Sauve qui peut! Oh, mais cessez de hurler! Calmez-vous, voyons! Me calmer, mais comment voulez-vous que je me calme? Dites-moi comment vous voulez que je me calme alors qu'un dragon s'attaque à notre comté! Un dragon?
Oh, mais dites-moi, c'est terrible ça, mon ami. Vous savez, si je souris, c'est parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est notre, je veux dire, c'est votre jour de chance, voyez-vous. C'est l'occasion de nous refaire et de pas rentrer à l'auberge les poches vides, alors? Pas de quartier. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je veux un vrai cri de guerrier, Lianchu. Pas de quartier! Hector? Sa perlotte de sa perlouille. Y a pas à dire, le grand air et la vie sauvage, ça lui a bien réussi. Ça oui, la dernière fois qu'on l'a vu, il n'était pas plus haut que ça. C'est fou, j'ai l'impression que c'était hier. Ben, peut-être parce que c'était hier. Dis donc, il a pas l'air très content de nous revoir. Il veut quand même pas qu'on s'excuse. Mais qu'est-ce qu'il a? Il nous reconnaît pas? Guizdo, dis-moi, est-ce que tu as vu ça? Oui, c'est pas croyable. Après tout ce qu'on a fait pour lui... Guizdo, c'est Hector. Non, je sais que c'est Hector. Non, pas là. Hein? Là. Un dragon qui est en train de prendre son petit-déj. Oui, c'est vrai. Et même qu'il te ressemble, en plus grand. Et en plus dangereux aussi. Agraniette ! Agrabon protecteur, gros bleu ! Comment ça, c'est ton coéquipier ? Ne me dis pas que tu as participé à ce carnage ! Dans ce cas, désolé, mon vieil Hector, mais on nous a engagés pour te tuer, toi et l'autre, là. Mais si ça peut te rassurer, sache que ta mort ne sera pas inutile. Elle va nous permettre de gagner un bon paquet de fric. Dis, Guizdo, on doit vraiment combattre Hector? Ben oui, mon gars, c'est notre boulot. Et puis, tu vois, Hector est dans l'autre camp maintenant. Il a raison, Hector. Ton nouveau choix de vie fait de nous des ennemis. C'est ça, la loi de la nature. Bon, Lianchu, je compte sur toi. Je te rappelle qu'on a fait chou blanc hier. Ma grâce, c'est quoi ce truc? Ouais, enfin, bon, on aurait pu l'avoir facile. Alors on a préféré le laisser partir. Tu sais, nous, c'est le sport qui nous intéresse. Tout doux, mon gars, t'emballe pas. Tu sais, on se débrouille très bien sans toi. Tiens, regarde. Justement, voilà ton remplaçant. Hector, qu'est-ce qui lui arrive? Oh, il a pas dû supporter le coup du remplaçant. N'écoute pas, Hector. T'as pas vraiment besoin de nous bouffer pour prouver ce que tu vaux comme dragon. Hector, écoute ton cœur. Depuis quand il a un cœur, Hector? Je savais pas que ta race avait peur des chiens. Eh bien, mon vieux, quand je pense qu'on a toujours fait croire à tout le monde que t'étais un chien... Il est là! Il est là! C'est lui, le petit monstre, là, je le reconnais! C'est lui qui a bouffé nos plantations! On vient justement de mettre la main dessus. Alors, préparez la monnaie, parce que vous avez devant vous un dragon qui vit ses dernières secondes. Mmh.
Oh, ce n'est rien, vous savez, c'est notre métier. Pour saluer votre triomphe, nous allons préparer un grand festin et nous allons cuisiner le gibier. Ce n'est pas la peine. Papa, regarde comme il est chou, je l'ai trouvé dans les buissons, regarde. Ce chien n'est pas à vous, c'est le nôtre. S'il te plaît, papa, fais quelque chose. Bon, combien pour le chien? Toutou, vous le vendre? Mais vous n'y pensez pas. Cher client, dans la vie, on ne peut pas tout acheter. Attendez, j'ai un marché à vous proposer. Tu sais, Yanchou, je suis pas sûr à 100% qu'on ait gagné au change. Gros pauvre frère, tout le boulot. Non mais t'entends ça? On lui sauve la vie et monsieur se permet encore de râler. Je te jure, hein, Yanchou, je me demande si on a bien fait de le troquer contre Toutou. C'est vrai, malgré son côté saucisse ambulante, il avait des qualités ce chien. La grappe pas cool. Mais Yanchou, fais pas cette tête, voyons. Moi aussi je marche à l'affectif. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis content qu'il soit revenu, Hector. Vraiment.